Geralt de Rive. Ah, asseyez-vous, sorceleur. J'ai trouvé votre message sur un panneau d'affichage. Vous voyez, Palmerin, je vous avais dit qu'en suivant les traces de celui qui avait tué le griffon à Blanchefleur, nous finirions par trouver Geralt. Milton de Perrac-Perrant et Palmerin de Lonefal. Ça fait plaisir de vous voir. Ça faisait des années. Soyez assurés que le plaisir est partagé. Veuillez nous excuser pour notre environnement. Quand nous avons proposé de placer l'endroit sous notre protection, l'ancien du village a offert de nous loger ici. Il a juré que c'était la meilleure cabane du village. Vous avez été impliqué dans une querelle ? Nous avons découvert qu'en se repliant, la garnison rédanienne a laissé les agriculteurs à la merci de nombreux fléaux. Et la tyrannie des bandits n'est point des moindres. Ces pillards vont bientôt assaillir ce village pour exiger un tribut. Milton et moi allons les en dissuader. Nous avons tous deux juré de combattre l'injustice et l'oppression où qu'elles se manifestent. L'affaire ne vous concerne point, bien sûr, mais ayez l'amabilité d'attendre. Quand nous nous serons occupés de ces marauds, nous aurons une affaire à vous présenter. Vous comptez aller à la rencontre des bandits dès leur arrivée ? Les combattre ? Palmerin souhaite d'abord leur faire entendre raison, mais je pense qu'ils resteront sourds à ces demandes. Oui, aucun doute. Nous devons leur laisser une chance de renoncer. Beaucoup de hors-la-loi endurcis ont cessé leurs méfaits après s'être fait admonester. Croyez-moi, ça n'arrive jamais par ici. S'ils ne font aucun cas de mes réprimandes, nous saurons que nous avons fait tout notre possible pour éviter un bain de sang. Très bien. Évidemment, je vous aiderai quand la rhétorique de Palmerin sera tombée dans l'oreille d'un sourd. Excellent. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée des bandits. Ils arrivent ! Vous entendez ? Vos bandits sont là. Venez, allons les accueillir. Écoutez, misérable coquin. Il parle de nous ? Moi, Palmerin de Lonefal, vous demande de vous repentir. Sondez votre cœur. Ne voyez-vous point sa noirceur ? Voilà guignol et niafron ! Attaquer de pauvres gens, piller leurs maigres provisions, il n'y a là aucun honneur. Revenez dans le droit chemin, et nous vous épargnerons. Elle est bien bonne, celle-là. Vous êtes un marrant, vous. Maintenant, foutez le camp, avant qu'on perde patience, et que vous perdiez autre chose. Non ! Attends-en. Ces gars sont marrants. Ils connaissent peut-être des tours. Hé, les bouffons ! Vous savez jongler en faisant des acrobaties ? Ou cracher du feu pendant que l'autre pète ? Le noble Palmerin vous laisse une chance. Maintenant, voici un conseil. Faites ce qu'il dit. Sinon quoi ? Sinon, vous affronterez des chevaliers errants payés par la duchesse de Toussaint. Et ils mangent des raclures comme vous au petit déjeuner. Ils sont trois. Et il y en a deux avec une épaisse armure. On reviendra plus tard. C'est une morue qui les envoie. Les gens vont dire qu'on a peur des morues et des bouffons. Oh. Mauvaise idée d'insulter la duchesse. Oui. Nous ne pouvons laisser passer cet affront. Je jure sur le héron que vous le paierez de votre sang. Par la grue, préparez-vous, canaille.